Bienvenue à tous, aujourd'hui on va parler de ma chaîne. Alors déjà cette chaîne, comme vous avez pu le voir, elle se nomme la Trap Photo. Donc, comme son nom l'indique, il va y avoir de la photo, mais pas que. Donc, déjà cette chaîne, je ne suis pas tout seul, je me suis juste permis de faire la vidéo d'introduction tout seul parce que c'était trop galère d'organiser tout ça avec les autres membres. Donc en tout, nous sommes trois. Donc il y a moi, Antoine et Laurie. Donc sur cette chaîne, vous retrouverez des tutos photos ou des vlogs photos ou des vlogs pour autre chose en rapport avec de la photographie ou du graphe, enfin tout ce qui touche à la calligraphie, à tout ce monde du dessin. Donc ça va être la partie gérée par Laurie. Et Antoine et moi, donc moi je me nomme Thomas, Antoine et moi nous allons nous occuper de la partie photo et moi un peu plus de la partie vidéo. Donc pour l'instant, vu qu'on est entre guillemets amateur, on n'a pas encore beaucoup de matériel, mais ça va venir. Sur ce, on va tout de suite partir sur les explications de la chaîne. Donc, tout de suite, donc comme je l'ai dit, c'est l'explication de la chaîne. Donc sur cette chaîne, vous retrouverez des vlogs photos ou des vlogs justement, comme je viens de le dire, calligraphie, graphe, dessin, artwork, exposition, je pense à des choses comme ça. Il y a ça. Aussi, de mon côté, vous retrouverez des tutos vidéo, donc plutôt des tutos cinéastes. Donc ça restera de l'amateur. Aussi avec Antoine, je pense pas que vous verrez de la vidéo avec Antoine, mais vous allez surtout voir de la photo avec lui. Donc vous allez avoir peut-être des tutoriels photos à faire, peut-être des conseils photos, des tests de matériel, je n'en ai strictement aucune idée. Aussi, ça va être la partie entre guillemets commune à moi et Antoine. Donc nous allons faire des tests de produits ensemble. Nous allons aussi faire des fabrications ensemble, donc des tutos de fabrication. Par exemple, un trépied à base d'un pupitre musical, hein, donc je pense que vous voyez à quoi ça ressemble. Si auquel cas, de toute façon, il y a une petite image à côté de moi. Donc, jusque là, j'espère que c'est clair. Donc, comme je vous l'ai dit, on est amateur, donc on ne prétend en rien faire des vidéos de super bonne qualité à la objectif photographe ou objectif cinéaste. On n'en est pas là, on va augmenter dans le matériel au fur et à mesure, en achetant des micros, des trucs comme ça, on verra bien. Et donc, j'espère que cette vidéo de présentation vous aura plu. Sur ce, je vous dis, shootez bien, faites de bonnes vidéos, faites de bons dessins, peace tout le monde.